Bon alors, bonjour à toutes et à tous, amis de sauveteurs, amis passionnés, amateurs, puis tous ceux que j'oublie comme d'habitude. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le rassemblement de chez Foix en Vendée, enfin, les vieux tracteurs de la Tuilerie, voilà, qui se sont déroulés le 13, 14 et 15 août 2022. Donc bon, la vidéo arrive un peu tard, je sais, mais c'était compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que la vidéo arrive un peu tard, mais elle arrive. Il y en a plusieurs qui vont sortir là en 2023, ça va changer aussi, ça va être un petit peu plus régulier. Il me fallait du temps pour tout mettre en place, et là ça commence à se mettre en place bien correctement. Donc vous pourrez suivre plus régulièrement, on va dire, les aventures du sauveteur. Allez, bonne vidéo!
capace de garouille. Mais la capace de garouille devant, le rein tombe en bas. Et l'intérieur sort. Et ça, on fait ça sur le côté aussi. Ah bon? Ah oui, c'est tout ça. Ça, ça se fait. Donc voilà, chez Foy, à la fête de la Tuilerie, on avait emmené ce petit cultivateur qu'on avait attelé derrière un petit vendeuvre, je ne sais plus le modèle d'un ami qui était venu avec nous. On avait emmené aussi cette dombale, donc cette charrue qui se servait pour défoncer le sol.
Donc celle-là, on s'amusait à aller derrière un 402, Société Française 402, pour s'amuser, quoi, c'était sympa. On avait également emmené donc ce LMP avec LMP T4 1948 avec la faucheuse McCormick avec l'appareil à moissonner. Voilà, date de début 1900 à peu près. On avait aussi emmené ce Pégase de 1925, qui est un motoculteur que j'apprécie énormément. C'est un de mes préférés, je crois. Donc, il est en cours de restauration. Le cerclage n'est pas monté sur les roues. Voilà, il y a donc le radiateur qui est là, le ventilateur qui est démonté parce que le bouchon s'est desserré pendant le transport. On a un petit moteur, c'est un moteur borne, il me semble. Je crois que c'est ça, voilà, moteur borne, il n'a pas de culasse. Donc, pour vous expliquer un petit peu, si je me mets pas dans la lumière, hop. Donc on a le moteur qui fait tourner cette poulie et avec une courroie qui va entraîner la grosse poulie qu'on aperçoit là-bas. Cette grosse poulie entraîne un démultiplicateur qui, par une chaîne qu'on voit ici, entraîne le pont et donc entraîne les roues. Il y a une seule manette aux commandes, c'est une manette qui gère ce tendeur-là et en fait c'est l'embrayage. Les vitesses se passent dans les roues, ce système de cliquet. Donc en fait, il y a une marche avant, une marche arrière. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et donc pour tourner, on met une roue en marche arrière et on laisse l'autre en marche avant et il tourne tout seul. Voilà. Au niveau des commandes, ça, c'est l'embrayage. Voilà, donc on avait également emmené ce petit trio de, enfin, ce quator de motoculteurs Staub. Donc là, on a un PP5B, à côté un PP4B. Ici, c'est un PP2X, il me semble. Et là-bas, non, ça, si, et là-bas, c'est un PPX, le petit. Donc le petit au fond, il entraînait le H-Pike que je vais vous montrer juste après. Le PP2X, il entraînait le petit aigre noir qu'on a vu juste avant. Le stop PP4, il entraînait, enfin, il entraînait, il tirait une petite charrette pour ramasser les bottes que le gros PP5B faisait avec la presse Garnier, donc que vous verrez en photo un petit peu après. J'ai du mal à filmer parce que j'ai oublié de filmer avant, donc voilà. Avec son moteur Bernard W110, qui est le moteur auxiliaire de la presse, voilà, qui fait que nous avons rajouté avec un système coulisseau avec une vis pour pouvoir tendre la courroie et donc embrayer quoi, ça nous sert d'embrayage. Voilà un petit peu, on a rajouté le siège pour se mettre dessus, fabrication de l'attelage. Le stop PP4, il y a sa charrue qui partira parce que donc on a mis un sulky derrière qui est démonté pour le ranger forcément. Et donc on va enlever les garder la pièce de la charrue, mais enlever les socs. Donc on va garder la charrue entière et mettre une autre pièce ou qu'on a sans les socs, de façon à ce que ça reste tout le temps avec le tout le temps sur le motoculteur sans nous gêner. Parce que les socs des fois c'est un peu gênant. Ah donc celui-ci déjà plus récent. Voilà donc lui avec la poulie qui est derrière, la poulie en bois, on a entraîné l'aigre noir. Hop, celui-ci, donc, plutôt un peu déjà un peu plus vieux. La poulie derrière en métal qui a entraîné le H-Pike, donc qui est juste ici sur son chariot. Bon, donc voici la fin de cette vidéo. Donc je vous ai toujours mis la petite carte, voilà, j'ai un petit peu modifié. Donc c'est le musée de la vieille mécanique et des vieux métiers. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube, regarder la vidéo. Mettre des commentaires, c'est toujours agréable et puis ça permet de discuter, c'est sympa. Et puis sur les réseaux, et ben voilà, on est très accessible, on répond à tout le monde, on n'a pas non plus des tonnes de messages, donc voilà. Au plaisir de discuter, de partager la passion. Sur les réseaux, vous retrouvez par exemple les derniers arrivants qui vont être mis directement sur les réseaux pour suivre un petit peu les derniers arrivés. Après, il y aura une vidéo de restauration ou de redémarrage.
une vidéo de présentation, enfin voilà, on essaye de faire un petit peu ce déroulement-là. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut!